Ah bah tiens, c'est la nouvelle. Quoi, encore une nouvelle? Bientôt on va plus avoir de place si ça continue comme ça. Allez, vas-y, rentre, j'ai pas le temps là. C'est ici ta cellule, pour tes 10 prochaines années. Allez, rentre. Ok. Vous avez une heure pour faire connaissance, après, on va manger. Je viendrai vous chercher. Salut. On m'avait pas dit qu'il y avait une nouvelle aujourd'hui? Oh, bah tu sais, moi j'avais pas prévu non plus d'arriver en prison, mais bon, c'est comme ça, je vais faire avec. Quitte à partager notre cellule, eh ben écoute, hein, moi je m'appelle Lexi, et toi? Moi c'est Jana. Écoute Jana, j'en profite pour t'expliquer un petit peu les règles, parce que tu m'as l'air vraiment jeune, j'ai l'impression que c'est la première fois que t'arrives en prison. Donc laisse-moi t'expliquer quelques règles importantes. T'as bien deviné, effectivement c'est la première fois que je suis en prison. Eh bien écoute, justement, parmi ces règles, ne dis jamais ça. Si les autres détenus sont au courant que c'est la première fois que tu es en prison, ils vont te faire baver pendant tout ton séjour ici. Donc ne dis jamais. Règle numéro 1, tu ne dois jamais dire pourquoi t'arrives en prison. Règle numéro 2, c'est un peu comme la numéro 1, il faut jamais que tu demandes à une autre personne pourquoi elle est là. Jusque là, ça me paraît un peu facile à retenir comme règle. Y a autre chose? Et la dernière règle, c'est pas vraiment une règle, c'est plutôt un conseil. Eh bien, il faut juste survivre, c'est tout. D'accord. Ah, et j'ai presque oublié, il faut aussi savoir qu'ici, il y a un gang qui est incarcéré, qui est souvent d'ailleurs, il y a souvent des membres qui tournent en prison. De ce gang, c'est le gang des découpeuses de doigts, et il faut éviter absolument que tu les provoques, que ce soit avec un comportement, une attitude, n'importe quoi. Il faut surtout pas les énerver, parce que c'est comme ça. Si elles te demandent de bouffer des croquettes pour chien, tu manges des croquettes pour chien. Si elles te demandent de d'essuyer leur godasse, t'essuies leur godasse. Et quand elles sont là, il faut que tu baisses les yeux, faut absolument pas les provoquer. De toute façon, je te dirai c'est qui quand on les verra, comme ça, ça t'évitera des ennuis. Ok, et toi, tu fais partie d'un gang ou pas? Non, mais on va dire que c'est le seul gang qui est ici, c'est le gang des découpeuses de doigts. C'est fait exprès parce que, en fait, dans le temps, il est déjà arrivé qu'il y ait eu des morts, entre guillemets, entre gangs. Et du coup, la prison évite de mélanger les gangs et les gangs sont envoyés dans d'autres prisons. Ici, il n'y en aura qu'un seul. Que je suppose que tu n'en fais pas partie, j'espère ne m'être pas trompée. Non, moi je fais partie d'aucun gang. Ok, bah merci beaucoup pour tes précieux conseils. Je vais juste me reposer avant qu'ils viennent nous chercher pour manger, c'est ça? Je vais faire ça. Bon appétit! Merci, toi aussi. Tiens, Lexi, tu es là. Eh ben ça tombe bien. Je viens de manger, mais tu vois, j'ai encore un petit peu la dalle. Alors tu sais ce que ça veut dire. Maintenant, donne-lui ce qu'elle veut. D'accord, Sabrina, sers-toi. Tu veux quoi? J'ai pas encore touché à mon plateau, promis. Attends que je regarde ce qui te reste. J'espère que tu m'as pas menti. Ils servent vraiment de la merde dans cette cafétéria. Mais je trouve que leur pain de toast est quand même délicieux. Donne-le-moi. Je sais pas t'es qui, mais tu ne touches pas à son plateau. Quoi? T'es qui toi? Non mais... Va t'asseoir, vraiment. Il vaut mieux pour toi. Non, c'est toi qui vas aller t'asseoir. Et tu la laisses tranquille. Sab, il y a un gardien qui arrive, viens. On va pas en rester là, tu vas voir. Ça va, Lexi? Je vais partir du principe que tu ne savais pas, mais quand je te parlais du gang de découpeuse de doigts, eh bien, c'est elle, donc tu n'aurais jamais dû faire ça. Pourtant, pour un gang, je pense qu'on s'en est quand même plutôt bien sortis. Elles sont parties, regarde. Tu sais, Jana, tout acte a une conséquence dans cette prison. Et j'espère vraiment qu'elles t'en rendront pas rigueur étant donné que tu es nouvelle ici. Maintenant que tu le sais... Voilà, c'est ces personnes-là qu'il faut absolument éviter d'énerver et il faut faire tout ce qu'elles te disent. D'accord, je vais tâcher de m'en souvenir.
Et j'espère vraiment qu'elles ne m'en veulent pas. Et au pire, est-ce que je devrais aller les voir pour parler avec elles? Non, parce que ça sera perçu comme une faiblesse. Je sais pas ce que tu devrais faire, mais tu devrais plutôt ne plus rien faire et la prochaine fois, éviter et faire ce qu'elles te demandent de faire, ok? D'accord. Là, c'est juste la ronde du gardien qui a fait qu'elle soit partie, sinon je pense que ça aurait très rapidement dégénéré. Bah, je suis désolée, Lexi, je savais pas. Bah, la prochaine fois, je réagirai autrement. La nouvelle, j'ai 2-3 trucs à te dire. En fin de journée, vous avez le droit à une activité. Tu as le choix entre une activité artistique, une activité sportive, une activité littéraire. À toi de voir. La bibliothèque, la cour ou la peinture. À toi de voir. Déjà, pour commencer, arrête de m'appeler la nouvelle parce que ça va commencer à très rapidement me saouler. Je suis pas la nouvelle, je m'appelle Jana. Écoute, la nouvelle, t'es juste un chiffre sur mes papiers. C'est tout ce que t'es, rien d'autre. Tu vas faire tes années ici en prison, tu vas repartir, on se reverra sûrement juste après parce que tu vas refaire une dinguerie et tu vas revenir en prison. Peu importe ce que tu penses de moi, je m'en fiche, mais je ne suis pas qu'un numéro. Je suis une personne, alors tu vas m'appeler Jana. Continue à faire la maline avec moi et c'est dans l'isoloir que tu vas finir. Eh bien, ça ne me fait pas peur. Si c'est ce que je dois faire pour me faire respecter ici. Écoute la nouvelle, j'ai vu ton dossier. Je sais que c'est la première fois que t'es en prison. T'as jamais été dans un isoloir de toute ta vie. C'est une pièce sombre, froide, où il n'y a pas de lit. Tu es seul dedans. Il fait froid, surtout à cette période de l'année. Tu tiendrais pas une journée là-dedans. C'est bon, appelle-moi comme tu veux. Je m'en fiche aussi. Ben, j'aimerais bien aller à la bibliothèque. Ok, suis-moi. Eh ben, c'est que ça bosse dur ici. C'est à moi que tu parles, la nouvelle? Moi? Non, moi j'ai rien dit, hein. C'est ça. Fais la maligne comme ça, tu feras pas long feu dans cette prison. En tout cas, le bleu... Tu fais sacrément mal ton travail. C'est moi que t'appelles le bleu, là? Si t'as bien le droit de me donner un surnom, écoute, moi aussi je vais t'en donner, hein. Et puis comme t'es en bleu et que t'es un bleu, ben tu vas t'appeler le bleu. Sauf que comme tu dis, des bleus ici, il y en a plusieurs. Alors que toi, t'es la seule nouvelle actuellement. Si ça peut te faire plaisir, tu seras le bleu numéro 1. Tu fais partie du top. T'es fière? Ok, ça suffit, la séance littérature, maintenant tu vas retourner dans ta cellule. Quoi? Oh non, déjà? Mais j'avais à peine fini de lire le chapitre. Par contre, il faut que j'aille aux toilettes. S'il te plaît. Tu as des toilettes dans ta cellule? Oui, mais c'est super gênant, je suis pas toute seule. Je dois aller aux toilettes devant Lexi. Ça, c'est vraiment pas mon problème, hein. C'est bête, hein. T'avais qu'à pas faire de délit, tu serais pas ici. Et tu serais tranquillement chez toi en train de faire ce que t'as à faire dans tes propres toilettes. Allez, s'il te plaît, vraiment, je me sens pas... J'ai vraiment besoin d'intimité pour faire ça. Est-ce que je peux aller aux toilettes? S'il te plaît. Bon, d'accord. Suis-moi. Sabrina, eh bien, tu diras à la nouvelle que la prochaine fois, elle n'a pas parlé comme ça, c'était à toi de l'éduquer. Ah! Aïe! Oh! Attends! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la nouvelle? Tu viens? J'ai pas ton temps, moi, j'ai d'autres choses à faire. Lexi a des problèmes. Il faut que tu arrêtes cette fille. Sabrina, je crois. De quoi est-ce que tu parles? Je comprends pas ce que tu me dis. Arrête, tu sais très bien, t'es passé devant, je t'ai vu, t'as regardé vite fait. Tu sais très bien ce qui se passe là-haut. Va l'aider. Non, moi j'ai absolument rien vu, je vois pas de quoi tu parles. Toi aussi, d'ailleurs, tu n'as rien vu, alors maintenant tu viens. Comment ça j'ai pas vu? Moi j'ai tout vu, je vais pas la laisser. J'y retourne. Et tant pis, si j'ai des problèmes après. Non, tu viens avec moi. Quoi? Tu me retiens? Lâche-moi le bras! Ah ouais, t'es sûr que tu veux faire la maligne comme ça? C'est bon, là ça suffit! Tu viens avec moi, je t'emmène à l'isoloir! Ça va te faire un petit peu... rafraîchir le cerveau! Non, tu peux pas, il faut que j'aille aider Lexi! Et après si tu veux, mets-moi dans l'isoloir, je m'en fiche! Mais là, il faut que j'aille l'aider! Là, tu vas aller aider personne, y a personne, on n'a rien vu, tu n'as rien vu, d'accord? Retiens juste ça! Maintenant, retourne-toi, je vais te mettre les menottes et tu vas aller à l'isoloir! Quoi? C'est réel? Tu vas vraiment mettre les menottes et fermer les yeux sur ce qui se passe là-haut ?
Écoute la nouvelle. Je t'avais prévenu. Tu ne m'écoutes pas, maintenant tu vas à l'isoloir. Avance. Lève-toi la nouvelle. C'est bon, tu sors. C'est le matin. Tu retournes à ta cellule. Ah, ok. Allons-y. J'espère vraiment que ça t'a fait réfléchir. Allez, viens. C'est bon, on est arrivé. Rentre dans ta cellule. Je ne vois pas Lexi. Elle devrait être là à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, où elle est Lexi ? Est-ce que c'est vraiment mon problème ? C'est ma copine ? J'ai une tête à avoir des copines ? Non mais, sérieusement, si tu veux, je t'appelle plus le bleu. Je te respecte, tout ça, y a pas de problème. Je veux juste savoir où est Lexi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, elle va revenir dans la journée. Je peux pas t'en dire plus. Maintenant, rentre dans ta cellule. Lexi, j'espère vraiment que tu vas bien. J'ai vraiment besoin de savoir si Lexi va bien. Vas-y, je veux bien, vas-y, donne. Et tu me donnes quoi en échange ? Attends, mais c'est toi qui étais en train de me proposer à l'instant si j'en voulais. Hé, Kenny, c'est bon. Je l'ai ramené la nouvelle. Et allez, encore une qui ne sait rien faire. Vous êtes qu'à bonne à aller à la bibliothèque et en cuisine. Quoi ? Non mais attends, t'insinues quoi là ? Je reviens plus tard. Ok, c'est moi ou Sabrina, elle a suivi Lexi. Jana, pourquoi tu ne t'es pas présentée au garage ? Mais de quoi tu me parles ?